Thank you.
Thank you.
la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia. Si tu as passé un bon moment, est-ce que tu peux te lever et acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le Dieu tout-puissant. Voilà. C'est un moment exceptionnel. Nous avons donc débuté le 23 aujourd'hui. Merci. Voilà, avec cette atmosphère, nous savons que le 23 sera une grande réussite, les arbres seront restaurés. Et je vais prendre en plus ces mots que le chante Stéphane Colomb a dit tout à l'heure. Ce moment est un prétexte pour restaurer une vie. C'est un prétexte pour que ta vie soit restaurée. Amen. Voilà. Tout à l'heure, dans quelques secondes, nous allons recevoir l'homme de Dieu, permettez-moi de le dire, le chantre qui nous rassemble en Seigneur, c'est lui à qui Dieu a inspiré ce programme de Revival. Et plusieurs le connaissent, et pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il est journaliste et animateur. Il a servi dans des stations de radio telles que Radio Guigro, Radio Arc-en-Ciel, Fréquence 2 et Ousana FM, la Radio Nationale et Libre de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est un djihadiste, ex-président de coordination du GED à Naba sous le mandat du président Franck Cyril. Il est membre donc des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie, d'où il est membre également du groupe musical Le Flambeau. Il est directeur artistique de la jeunesse de cette même église de Philadelphie. Il est membre de l'association des chants de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, abrégée ACRACI. Il est membre également de l'Union des artistes chants de Côte d'Ivoire, UACI. Et lui, il a été appelé au ministère depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, donc, il a commencé à chanter le Seigneur. En 2015, il fait sortir son tout premier album de 4 titres intitulé Périmine Culte. En 2019, son deuxième album intitulé par le Saint-Esprit. Actuellement, il est en préparation de son troisième album. Il est l'initiateur de ce programme qui nous rassemble, comme je vous le disais tantôt, Revival, qui a eu sa première édition en 2017. Deuxième édition en 2019 et aujourd'hui en 2022 nous sommes à la troisième édition. Recevez le fondateur, l'initiateur de ce programme qui sera accompagné par une armée, je dirais humaine mais céleste, appelée armée de louanges, le groupe de louanges donc qui l'accompagne. Chers parents, chers amis, vous tous donc qui avez effectué le déplacement pour être en sérieux, je vous prie de recevoir le chant de ces louettes. Yeah.
est mon papa, Jésus. Tu es mon papa, Jésus. Mon fidèle ami, mon ami.
Alors, tu vas dire à Dieu, aide-moi à te suivre jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Alléluia. C'est vrai, par contre, on dit, il y a bien un cas. Alléluia. Je vais te donner un mot d'accès avec moi. I'm not the only one.
Et vous le savez, comme je le disais tantôt, ce moment il est gratuit, mais nous sommes rassemblés ici parce que nous voulons faire une œuvre d'évangélisation à l'intérieur du pays et ça demande les moyens. Alors donc nous allons faire nos offrandes, nous allons apporter notre pierre à l'édifice afin que cette évangélisation puisse servir, ou du moins cette offrande puisse servir à l'évangélisation et que des âmes donc puissent se convertir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà notre maman. Pendant que nos mamans se mettent devant, nous allons prier de notre fort. Tant que Père, nous voulons devant toute ta gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Seigneur, cette œuvre t'appartient. Et Seigneur, ce matin, ce soir, nous sommes là, ô Dieu, nous voulons te célébrer, pour t'adorer. Tes enfants, Seigneur, sont levés, Seigneur Dieu, pour envoyer ce quartier. Et pour le royaume de Satan, pour peuplé ton royaume. Là, il y a le mystère. Nous voulons te prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, de bénir, Seigneur Dieu, ce ministère et de bénir les mains qui vont apporter, Seigneur Dieu, pour pouvoir nous avoir les aider, Seigneur Dieu, dans ce ministère-là. Bénis ce que nous apportons et que cela puisse réellement servir à cette œuvre-là, la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup au responsable Bouddha, qui est le responsable de l'évangélisation de cette église qui nous reçoit. Alors, nous allons faire nos offrandes pendant que le chant continue de vous gratifier avec le chant. Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen ou amen. Voilà. Vous savez, dans mon orchestre, c'est les Congolais. Donc, quand on parle de Congo, il y a une musique qui vient tout de suite en tête. Vous connaissez, non? C'est ça. Écoutez. Allez, ça va de bonne. Allons-y.
Thank you.
Thank you.
La joie qu'il ressent, c'est ce qu'on dit de lui.
tu es bien habillé. C'est ça qui fait que. Voilà. Vous n'avez pas que si une fille a porté des mèches de marque. S'il n'y a pas quelqu'un qui doit dire, ah, c'est mèche humaine. Et oui, c'est brésilien. Elle va tout mettre dans le quartier là. Ça ne va pas nous donner des fiches. Faut qu'on sache que ce qu'il y a sur sa tête, ça a coûté 200 000, ça a coûté 300 000. Quand quelqu'un dit, qui est qui a porté mes 300 000? C'est là qu'elle a la joie, cette grosse fierté de rapporter quelque chose de cher. Est-ce que vous voyez? L'amour, sinon la joie que le monde donne, que nous recevons du monde, c'est ce que le monde dit de nous. Donc, si tu as une belle voiture, tu as une belle maison, quand tu ne vois pas quelqu'un t'envier, tu ne vois pas quelqu'un t'apprécier, il n'y a pas de joie en ça. Mais la joie que Dieu donne, la Bible dit dans le même livre de Romains 8, que l'Esprit de Dieu répétera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez vu quelqu'un, il est délabré, il a sa seule chemise, mais il vient à l'église et il est toujours content. Parce que la joie qu'il ressent ne dépend pas de ce qu'on dit, mais sa joie qu'il ressent dépend de ce que Dieu dit à son âme. Et c'est pour Dieu qui est cette joie, tu ne peux la trouver nulle part dans Jésus. Donc si tu es là ce soir, que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je t'appelle. Sinon, le Seigneur t'appelle. Lève simplement le doigt. Si tu es là pour la première fois, qu'est-ce que c'est que tu es là pour la première fois? Si tu viens à l'église pour la première fois, une personne. Encore. Est-ce qu'il y a une autre personne? De façon courageuse, je veux que tu lèves la main et que tu acceptes de faire la paix avec le Seigneur. Parce que la paix avec le Seigneur n'est pas une question d'église ou une question de religion. C'est une question de communion et d'intimité avec Dieu. Même si tu passes 10 ans à l'église, si tu n'as pas connu cette communion, frère, tu mourras avec Dieu. L'évangile, la parole est ainsi lancée. Je vais inviter ma soeur à se tenir debout, je vais appeler le pasteur. Il va prier. Pardon, l'ancien profil. Voilà. Il va venir au micro. Et il va prier le Seigneur. Pour sa foi. Ce que tu as dit dans ta parole. Quand une âme se convertit, tu la joie dans le ciel. En ce soir, nous t'apportons notre bien-aimé qui décide ce soir de faire la paix avec toi. Nous croyons que le ciel est dans ton choix. Notre prière, Seigneur, c'est de s'attacher à toi, ô mon Dieu, mon roi. Car en toi, nous avons tout, ô Père. Le monde nous montre la pacotille derrière laquelle les gens courent. Mais la vraie vie, la vraie joie, Seigneur, vient de toi. Parce que tu es l'homme, Seigneur. Nous voulons te prier, de demander cette âme en tant que ton mère, que tu puisses l'aider à marcher dans tes pas, Seigneur, à t'attacher à toi, ô mon roi. Quand viendra la séduction du monde, tu la ramènes encore en arrière, elle dit non, qu'elle s'attache à toi réellement. Seigneur, que ta main de grâce demeure sur sa vie. Béni soit le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais demander au côté de l'évangélisation de s'approcher de la sœur pour prendre les informations et que Dieu te bénisse. Voilà. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. Yeah.
Il a vendu son amour, c'est
Alléluia. Nous l'avons fait ce soir. Alors, au piano, le diable, qu'est-ce que ça a encore à dire? Est-ce que tu viens parler le Seigneur? Au grand piano, vous avez l'homme venu tout droit dans la République démocratique du Congo. Il est Véroni! Est-ce que tu viens parler le Seigneur aujourd'hui? Vous avez la distance solo. L'homme de l'Isoutra, le plus doux montagne. Le poste Samuel Soumaro. Samuel vous salue. Et vous avez la distance basse. Le chef d'orchestre. Le frère Dimitri Blané Christian. Tout à fait la batterie. Le chef du jour, le soir, le chef de terre. Va essayer de prier. Le frère Simon Pélé. Come on.
ne serions pas à cause de ces cas. Est-ce que tu as parlé très fort de cet enfant? Très fort, très fort. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je vais vous donner une chance. Merci beaucoup. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
Avoir du succès. Amen. Alors, parlant de soutien, nous allons appeler notre pasteur Hans, le pasteur Laurent Zibert, qui va venir et qui va prier pour le chant de ses louer et toute l'équipe qui l'accompagne pour que Dieu puisse le soutenir dans ce programme jusqu'à ce que cela puisse avoir plus grand fin. Je vous également par la même occasion le conseil de l'Église de Philadelphie qui accompagne donc le chantier. Merci de venir. Voilà, nous parlons de donc là, vous êtes rapidement. Voilà, peu de Dieu, si vous pouvez vous utiliser de bonne place. Sans avoir prié pour cette équipe, prier et demander à la grâce du Seigneur, pour qu'au travers de l'œuvre de Dieu puisse vraiment avoir un impact. Nous allons prier pour que ce ne soit pas un problème, mais que le ministère puisse vraiment s'exprimer en tout lieu. Là où besoin ce qui a senti, qu'il soit des canaux de bénédiction, des canaux de salut pour plusieurs. Donc, dans le moment du Seigneur,
nous allons prier pour que Dieu ait la bonne main sur ce ministère et sur ces différents programmes qui seront initiés. Donc, un premier accord, nous allons élever la voix, nous allons prier pour le comité. Au nom de Jésus, nous voulons te prier, notre Père. C'est toi que le Dieu véritable, le Dieu vrai. C'est toi qui nous a appelé, notre Dieu pour le temps. Il a mis des clés que nous sommes ressuscités pour annoncer la sœur du royaume. Et le monde béni pour la vie de nos serviteurs et toute l'équipe qui l'accompagne. Donc, Père, nous croyons que tu l'as suscité et dans notre comité, Seigneur, afin que des saints puissent gagner, afin que ton œuvre puisse aller de l'avant. C'est dans cela que nous voulons que la notre modèle, pour que ta bonne main soit sur ton serviteur, que ta bonne main soit sur l'équipe, et bien ensemble. Qui est parti vivant, que nous pouvons voir les œuvres, que tu accomplis les œuvres que tu manifestes. Permets que le Dieu donne un puissant vraiment au travers des portes, Seigneur. Que ton œuvre puisse nous marquer par ce que tu prends, par ce que tu accomplis, par ce que tu manifestes. Au nom de Jésus, tu ne lui permets pas qu'il se réveille, tu ne permets pas qu'il se réveille tout ça pour que Seigneur, toi nous irons, que le Dieu puisse nous que notre puisse agir, que notre chance, tu l'as dit, soyez les villages, notre Père. C'est pour nous, Dieu. Nous nous recommandons ce soir, que nous prions, par le nom de Jésus, que ce soit le chambre, que soit l'équipe qui l'accompagne, Père, que ta main soit avec eux, au nom de Jésus, par nous disons, que les saints soient gagnés, que les vies soient restaurées, que les guérisons puissent constater, c'est le pire moment de la vie. Et par le ministère, au nom de Jésus, je te la confie, Seigneur, et nous prions que tu le fasses ainsi, et nous prions que tu l'accomplis, et nous prions que tu le réalises, parce que Seigneur, tu as promis d'être avec nous, que leur science soit sur la vie, que ta main soit avec eux, et que tout Dieu, Seigneur, en ligne, que tu es avec eux, et que tu es l'initiateur des nouveaux programmes, Seigneur, bénis-les, qu'ils soient des canaux puissants, votre Seigneur. Des cadeaux puissants pour ton œuvre, des cadeaux puissants pour le salut du Seigneur. Utilise-les, parle-les, que ta main soit avec eux. Merci Seigneur, que des budgets, des chants nous voient avec ton serviteur et avec tous ces équipements. Parvisions au travers de ce ministère, que des cœurs puissent être touchés, que des âmes puissent arracher, et qu'il est l'heure véritable de restauration. Je glorifie ton nom. Agis puissamment, au nom de ta parole, car tu es Dieu, au nom de ta parole, parce que tu es le même, tu n'as pas changé. C'est dans cela que nous la confions. Au nom de Jésus, nous voulons relâcher sur la vie, nous voulons relâcher sur ce ministère, la grâce double de toi, la puissance de Dieu qui agit au travers des saints instruments qui sont au Seigneur. Donc nous comprenons et que l'on puisse quitter le véritable. Marche avec eux, glorifie ton nom, élève-les, Seigneur. Par ta main souveraine, notre Dieu, permet que toute ambition devant eux puisse se déveiller au nom de Jésus. Par leur donner ce qu'il faut pour que ce ministère puisse prendre une autre ampleur. Je nous donne confiance et nous prions que tu le fasses ici. Au nom de Jésus, notre merveilleux sauveur, bénis chaque membre, merci pour les idées qui viendront, merci pour les moyens qui suivront, merci pour les résultats que tu susciteras. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Alors, si vous avez aimé, je vais vous donner le programme du Médival 3. Le 11 septembre, nous serons à le plus grand temple Morija. Avec le pasteur Adonis, et nous vous attendons nombreux donc à ce programme. Nous serons également le 28 septembre au sein des ministères de l'Église et Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, au siège donc de l'Église et Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, chez le pasteur Emmanuel Kouassi. Le 2 octobre, nous serons à Divosville, en fait encore à Daloa, et le programme d'enfin avec une veillée dans la commune d'Aboko. Alors nous vous y attendons, que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, la musique va continuer, mais avant, nous allons céder le micro à notre papa qui va prier donc pour la fin de la cérémonie.
C'est par ta grâce que nous sommes retournés dans ce beau temps. Le Seigneur, tu nous as fait du bien au travers du ministère de notre frère. Ta parole déclare que toutes choses ont un temps. Et nous croyons que le moment est venu pour mettre un terme officiel à ce moment. Nous te disons infiniment merci et nous te recommandons le retour des uns des autres. Je prie que Dieu, toi qui nous as fait bénir, que tu nous fasses rentrer dans nos différents domiciles, c'est sauf. Et je prie que ta grâce abondante soit sur cette maison. Éternel, n'oublie pas notre frère de ce lieu. Accompagne-le, donne-lui de la force, donne-lui de l'énergie, et que les joies bénies encore, tu l'utilises pour la gloire de ton nom. Merci de bénir ces instants et merci de nous ramener dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Voilà nos remerciements les plus vifs pour la gloire du pasteur Laurent Isidore et tout son conseil et toute l'église qui nous a reçus aujourd'hui. Merci également à vos chers parents, à toutes les églises qui ont répondu à l'appel, aux nouvelles personnes.